La Touline, l'association pour l'emploi maritime. Alors, la Touline, c'est une association qui a été créée en 1989 ici à Brest et qui a pour vocation d'accompagner donc vers l'emploi toute personne qui montre un intérêt pour les métiers de la mer. Mon rêve, ça serait de naviguer. Je souhaite rentrer dans la marine en tant que fusée marin. Je vais me reconvertir dans la pisciculture. Du moment que ça touche la mer ou le poisson. J'ai envie de tester vraiment la pêche, quoi. Ce serait de partir sur un bateau de pêche tant que pas le mécanicien embarqué. Je voudrais joindre la météo et l'océanographie. Mon rêve demain, ce serait d'avoir un petit caboteur en Afrique. Ici, on accueille un groupe de 14 stagiaires. Ces stagiaires sont en cours de réorientation professionnelle vers les métiers de la mer. Alors, on commence par leur faire découvrir une douzaine de filières. Donc, je les cite, les services portuaires, la pêche, l'administration maritime, les cultures marines, la construction, réparation navale, les énergies marines renouvelables, le nautisme, la plongée professionnelle, les algues, la transformation, la marine marchande, les ports de plaisance. Donc là, ils rencontrent des professionnels qui viennent les voir, qui vont leur parler des métiers, des conditions de travail, des évolutions possibles. Et puis ensuite, ils vont sur site. Allez, c'est parti, on tire. Ce que j'ai retenu le plus, c'est la navigation sur la recouvrance ces deux jours où je ne voulais absolument pas revenir. C'était vraiment sympa. C'est vraiment exceptionnel, c'est une chance fantastique. J'aurais pas forcément les moyens de le faire tout seul sans cette formation-là, du coup c'est agréable. La suite après la formation, c'est rarement partir directement en emploi, c'est plutôt partir en formation. Si les deux semaines de stage se passent bien, je suis pris pour une formation à Rennes en tant que mécanicien naval. Je m'oriente vers une formation de technico-commercial dans le nautisme. Je m'oriente actuellement vers la chaudronnerie navale. Faire une formation matelot de pêche. Pouvoir passer mon matelot, éventuellement mon capitaine de son après, par la suite. Je sais que j'aurai du boulot en sortant. C'est une bonne idée de faire une formation comme ça, spécifique au métier de la mer. Je pense que c'est très bien construit. Leur programme est très bien fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'ici. On s'occupe bien de nous, ils nous suivent de près. On est soutenus en fait dans notre démarche et je trouve ça très important. Je pense que toutes les personnes qui ont fait cette formation ont trouvé leur voie, du coup c'est pas mal. C'est intéressant de parler avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Une autre opinion d'horizon par rapport au métier présenté. Je trouve ça a ouvert quelques portes même pour certains, comme chez des CNS, tout ça. Je trouve que c'est ça qui est bien, quoi. Ça fait un réseau de personnes qu'on peut recontacter après. Et qui peuvent nous aider dans notre marche future à l'avenir aussi. Car la particularité de la Touline avant tout, sa valeur ajoutée, c'est son réseau de partenaires, de professionnels, qui s'est développé au fil du temps, donc depuis plus de 25 ans maintenant. Et également un élément important au niveau de cette association, c'est qu'en 2010, elle a été reconnue d'utilité publique. La Touline, c'est le premier lien entre la mer et la terre. Quand vous avez un navire qui arrive dans un port, quel qu'il soit, un marin à bord du navire, de la passerelle, donc du pont, va lancer une pomme de Touline vers un professionnel qu'on appelle un lameneur, qui est sur le quai. Et c'est ce premier lien qui va faire que le navire va se retrouver donc amarré en toute sécurité.